Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une des rarissimes, parce que j'en fais pas beaucoup, où on va parler. On va parler de quoi? On va parler de où qu'est-ce qu'on va bien pouvoir foutre les pieds dans un avenir aussi proche que possible. L'autro c'est mort, l'autro c'est... Puis visiblement vous êtes nombreux à vous rendre compte que... Tiens, c'est bizarre, on dirait que l'autro c'est mort. Et d'ailleurs, hein, force et honneur à ceux qui tournent toujours dessus. J'aimerais bien être comme vous, j'aimerais bien avoir la flamme, mais je peux pas me mentir à moi-même, donc non, le retour sur l'autro, c'est un fantasme, c'est, parfois j'y pense, et ma longue expérience des MMO m'a révélé que retourner sur un MMO, c'est toujours une très 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 mauvaise idée, surtout quand on en est parti pour de bonnes raisons. Donc voilà, parfois je pense à ces paysages magnifiques de la Terre du Milieu, et je me dis, mais pourquoi je vais me faire chier à réinstaller le jeu pendant 2 jours pour y passer quelques minutes et me rendre compte qu'en fait, mais j'ai pas grand chose à faire, quoi. Le seul MMO où ça a marché, ça a été World of Warcraft. Je me suis repayé un mois, à peine un mois de souscription. C'est largement suffisant, en fait, pour traverser les deux extensions que t'as manqué, enfin, que j'ai manqué. Et qui sont super intéressantes, c'était très agréable, sauf qu'au bout de ce mois où j'ai bien visité les lieux, etc., c'est toujours aussi plaisant de retrouver son perso. Donc au bout de au bout d'un mois, de visite de ces nouveaux lieux, de ces nouveaux PNJ, de cette évolution du monde, bon ben voilà, le tour il est fait quoi. On n'a pas envie de payer un mois en plus pour rester au milieu de la capitale à attendre qu'un groupe se forme. Donc on s'en va. Finalement, c'est très agréable cette façon de repayer un mois pour vider une extension et puis de chercher autre chose finalement. Donc on cherche, bah oui, on cherche. On a beaucoup cru à Avalon. Alors quand je dis on, c'est moi. Hein. J'ai beaucoup cru à Avalon. Il s'appelle bien Avalon ce con. J'aimais bien le côté pas cartoon, mais le côté un peu dessiné. J'aimais bien la vue comme ça, puis malheureusement c'est un jeu PVP, et en plus c'est le genre de jeu PVP que j'aime vraiment pas, c'est-à-dire c'est du PVP hardcore. C'est du PVP, quand tu meurs, tu laisses sur place tes objets, tes os, ton âme, ta thune et le temps que t'as passé, et faut tout recommencer depuis le début, ou avoir une super guilde d'amis qui te repaye du stuff. Ce qui doit pas être si courant que ça. Hein, on se résume un peu. Donc c'est un peu le genre de MMO où je sortirai pas de la ville, en résumé, et donc je ne jouerai pas au jeu, et en plus c'est un jeu à abonnement, si j'ai bon souvenir, hein, il me semble. Oui, il me semble que c'est abonnement. Et je vais me faire confiance pour une fois. Et alors du coup, payer pour pas jouer à un jeu et pas sortir de la ville, voilà, c'est dommage. L'aspect visuel me plaisait beaucoup. La façon dont le jeu s'articule, en fait, c'est pas du tout pour moi. Et pourtant, des jeux PVP hardcore, j'en ai fait. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. C'est le matin, hein, je me suis levé il y a pas très longtemps. Donc j'en ai fait, j'ai donné plus qu'à mon heure. J'ai fait le légendaire Lineage 2 à très haut niveau, dans une alliance de guildes américaines qui était très balèze. Donc j'ai expérimenté les morts hyper punitives. La perte de ton stuff, devoir tout refaire depuis le début, le grind de malade, le jeu à la coréenne, quoi. Je sais que c'est pas pour moi. Voilà, c'est vendu. Il me faut autre chose. Donc, puisqu'il me faut autre chose, ben quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a dans la liste? Eh ben dans la liste, il y a des noms. Il y a des noms qui circulent. On raconte dans les couloirs de ma maison qu'il y a des jeux qui ont attiré un peu mon regard. Et en fait, je vais les suivre. Je vais gentiment les suivre en espérant qu'ils arrivent au bout, parce que arriver à bout, il y en a qui vont arriver à bout, ouais, je pense qu'il y en a plein qui vont fermer bien avant l'heure,
ou qui vont faire un lancement complètement pourri en essayant de grappiller un peu de pognon pour faire leur valise derrière et disparaître. Tête de liste, alors pas tête de liste parce que ça me semble le meilleur, hein, tête de liste parce que il fallait bien faire un classement. Donc premier, on va dire, pas tête de liste. Les chroniques d'Eliria. Les chroniques d'Eliria, je l'ai découvert un peu par accident dans ces fameuses vidéos qui font une soi-disant review des MMO 2019. Qui sont pas des vidéos que j'aime beaucoup parce qu'en général, les mecs ils se penchent pas vraiment à fond sur les jeux. Ils ont fait que récupérer 4 infos à gauche à droite et puis ils vous sortent ça comme waouh, ce jeu va arriver. Il faut savoir déjà que dans toutes ces vidéos, malheureusement, quand ils parlent de date de sortie de jeu, bah, MMO 2019, beaucoup de jeux on se retrouve avec ouais, sortie prévue en novembre ou en décembre. Ok, donc 2020 quoi, je résume, hein, mais 2019, le jeu tu le verras pas. Et je crains hélas que malheureusement pour moi, tous les jeux sont pour l'instant officiellement 2019, mais clairement 2020, et puis plutôt rentrée 2020, plutôt septembre 2020. Je vois pas à l'horizon de l'année là venir un jeu prêt à consommer. Donc Chronicle of Elyria, disais-je. Qu'est-ce qu'on lit sur le jeu ? Si l'ordinateur veut bien me rendre ma souris, merci, c'est gentil. Voilà. Chronicle of Elyria, ça a l'air d'être une bonne idée. En fait, beaucoup de jeux dont je vais parler ont l'air d'avoir une putain de bonne idée rarement vue. J'aime bien les idées rarement vues, surtout quand elles sont bonnes. Rarement vues et, on va dire ça poliment, c'est pas qu'elle est mal exécutée, c'est que je sens qu'elle va être mal exécutée. La plupart des jeux desquels je vais parler, je suis déjà un petit peu refroidi par un aspect ou deux aspects, mais qui pour moi sont fondamentaux. C'est ça le problème, c'est que c'est pas juste un aspect vaguement décoratif. Visuellement, rien à reprocher au délire, hein. Ce qu'ils font a l'air tout à fait potable, et comme vous savez maintenant que moi c'est un argument numéro 1, il faut que visuellement le jeu m'accroche. C'est le souci que j'ai par exemple avec Guild Wars 2. Guild Wars 2, visuellement, il y a un truc qui m'emmerde. Il y a un truc qui m'emmerde et je l'ai parfaitement identifié. C'est que j'aime pas les jeux où les nanas sont à moitié à poil, avec des gros seins. Les armures sont absolument gigantesques. J'aime quand tout ça est cohérent et crédible. Et Guild Wars 2, au niveau de la cohérence et de la crédibilité, en termes de stuff et de matos... c'est coréen, c'est juste coréen. Alors ils l'ont peut-être fait pour que ça plaise au public européen, et franchement au début ça a marché, mais quand vous regardez votre garde-robe pour habiller votre perso, mais c'est Carnaval de Rio quoi. C'est voilà, c'est du coup ça m'embête un peu. Je préfère du médiéval, du bon médiéval, même fantastique, mais The Witcher c'est du médiéval fantastique. J'adore, c'est super crédible, c'est vachement beau, c'est bien fait. Guild Wars 2, c'est le Carnaval de Rio. Donc Chronicle of Elyria, voilà, moi, sur le papier visuellement, je prends. L'idée qui me fait triper au final, hein, parce que c'est ça le but, l'idée qui me fait triper, c'est que vous n'incarnez pas un personnage qui va vivre jusqu'à ce que le MMO ferme ses portes, vous incarnez un personnage qui va fatalement mourir de vieillesse. Votre personnage vieillit, et il n'a qu'un temps donné pour faire quelque chose dans le jeu. Et une fois qu'il meurt, vous vous réincarnez. Donc vous reprenez un personnage depuis le début, mais d'après ce qu'annoncent les développeurs du jeu, le personnage que vous reprenez, eh ben il est un peu plus fort qu'un personnage de base que vous prenez quand vous commencez. Puisque vous vous réincarnez, il bénéficie d'une partie de l'expérience du personnage qui est mort. Et comme ça, de réincarnation en réincarnation, vous recommencez certes un perso du début à chaque fois, mais à chaque fois, il est un peu plus balèze. Et entre nous, ça me parle, parce que ça me rappelle la quatrième prophétie. Et ça nous ramène 20 ans en arrière, je crois, ouais. Ça me rappelle la quatrième prophétie, où quand ton personnage était arrivé très haut niveau, il pouvait accéder à une épreuve un peu balèze à passer, hein, franchement, fallait se faire aider, il valait mieux. Et au terme de l'épreuve, qui était super longue et super compliquée, on avait accès à une renaissance, où on redevenait niveau 1 dans la ville de départ, donc voilà, faut tout recommencer, mais on redevenait un niveau 1 avec des caracs vachement balèzes. Et donc potentiellement, comme on regrindait,
Eh ben ça fait beaucoup de re dans la phrase, mais on réarrivait à une puissance supérieure à celle d'avant la Renaissance. Et on pouvait renaître comme ça, une fois, deux fois, enfin, techniquement, il n'y avait pas trop de limites, si j'ai bien capté, même si les gens qui tenaient les serveurs, eux, avaient mis une limite, parce que sinon, ça aurait fait des personnages bien trop balèzes. Mais voilà, c'est le principe me plaisait. Renaître plus balèze, voilà, ça ne me dérangeait pas. Donc du coup, Chronicles of Elyria me parle. Je comprends ce côté, tu redeviens un autre perso. Et ce qui me plaît aussi énormément, c'est que, entre nous, c'est une idée qu'un ami et moi, on avait eue pour faire un jeu. Voilà, on avait déjà pensé, il y a 2 ans ou 3 ans, à un jeu où tu incarnerais quelqu'un qui fait sa vie et qui meurt et tu joues son héritier, et tu joues d'héritier en héritier. Sauf qu'on n'a pas de studio de création de jeux vidéo, donc notre belle idée, voilà, elle est un peu lancée en l'air. Mais du coup, ils l'ont récupéré, et youpi, tant mieux, ça semble intéressant. Alors, où est-ce que ça pêche? Alors moi, je vais vous dire, ça pêche sur 2 points. Premier point, clairement, le modèle économique. Quand votre personnage va mourir, ils ont l'air d'annoncer une durée de vie du personnage entre 10 et 14 mois. Alors, ça ne veut pas dire que vous sortez de la ville ou vous faites buter par un gobelin, ça y est, votre personnage est mort et puis il faut le réincarner. Il va pouvoir se remettre de ses blessures. Mais à chaque mort dans le jeu, votre personnage mourra au final de vieillesse plutôt vers 10 mois que vers 14. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend soin de lui et qui meurt pas va jouer 14 mois avec son perso. Quelqu'un qui passe son temps à mourir à tout bout de champ, il va jouer 10 mois. Donc vous perdez 4 mois de jeu, grosso modo. Ça a l'air d'être parti comme ça. Mais la réincarnation est payante. Et là, c'est le souci. C'est le souci, c'est l'inconnu. Combien coûte une réincarnation? Avec une réincarnation, on peut jouer pendant 12 mois. On va faire une moyenne entre 10 et 14. On peut jouer 12 mois. 12 mois, c'est quoi? C'est un an. Un an, c'est comme payer un abonnement d'une année. Or, dans un jeu moyen, un abonnement d'une année, c'est quoi? C'est 120, 130 euros. Donc ça sous-entend que la réincarnation va être à 130 euros. Une souscription à 11 euros par mois, grosso modo. Donc finalement, vous maquillez ça différemment, chers développeurs de Chronicles of Elyria, mais votre jeu est un jeu à abonnement. C'est un jeu à abonnement, sauf qu'on paye tout d'un coup et on paye tout à la réincarnation. Voilà, au lieu de payer un peu tous les mois. Actuellement, le gouvernement français a plutôt l'air de dire que ça passe plus discrètement quand on paye un peu tous les mois que quand on paye un grand smash d'un coup. Et psychologiquement, je crois que c'est vrai. Je crois que les gens la voient moins douloureuse à payer une petite somme tous les mois qu'à payer une grosse somme d'un coup. Surtout les petits-enfants qui ont de l'argent de poche et qui ont peut-être pas 130 euros à débouler d'un coup, alors que 11 euros par mois, ils pourraient. Mais bon, on verra, on verra. Donc, modèle économique, il faut voir. Deuxième souci, à mon avis, c'est que le jeu s'annonce un peu comme une sandbox. Les quêtes sont annoncées comme non répétables. Alors là, faut voir ce qu'ils entendent par non répétable. Non répétable par le perso ou non répétable par le joueur. Ça veut dire que votre réincarnation, elle n'a pas les mêmes quêtes que le mec d'avant. Auquel cas, il faut un putain de stock de quêtes. Donc, je pense que la logique, c'est plutôt non répétable par le même personnage. Mais votre renaissance pourra faire les mêmes quêtes. Auquel cas, bah, au final, elles sont un peu répétables, quoi. Et tous les jeux où les quêtes sont non répétables ont toujours le même souci, c'est qu'au bout d'un moment, on tourne gentiment en rond. Quand WoW a inventé la quête journalière, à la sortie de Burning Crusade, il fallait monter ses réputations en faisant des quêtes journalières. Le monde du MMO ne connaissait pas le principe même de la quête journalière. Toutes les quêtes de tous les MMO étaient non répétables. C'était la norme.
WoW a complètement inversé la tendance et tous les développeurs se sont dit hey, « Eh, mais attends, c'est facile à faire. Et ça meuble, ok. » Toutes les quêtes sont répétables, journalières, et on met de la répute pour justifier le fait qu'on ait mis une quête journalière ou répétable. Bon, eux partent à contre-courant de ça. Moi, j'ai pas de problème, mais les MMO de l'époque avec leurs quêtes non répétables, c'est que derrière, il y avait un contenu hyper prenant. Vous prenez EverQuest, il y avait ces fameux donjons où il fallait débarquer à plus de 40, et c'était des donjons ouverts, c'est-à-dire que vous croisiez d'autres groupes en train de faire le donjon, c'était super vivant, c'était une fourmilière en fait le jeu. Là, je les sens pas prêts à faire une fourmilière à la EverQuest. J'ai l'impression que leur idée c'est, et les joueurs vont se charger d'animer. Puisque quand vous jouez quelqu'un, il fait partie d'une famille d'autres joueurs. Donc il y a des papas, il y a des enfants, il y a des oncles, il y a des tantes. Donc ça crée, c'est pas une guilde, c'est une famille, ok, on a compris. Techniquement, c'est une guilde. J'ai l'impression que les développeurs se sont dit, et là, les joueurs vont s'organiser pour faire des alliances entre familles et faire fonctionner l'économie du jeu. Et à la Eve Online. À la Eve Online, c'est-à-dire que les joueurs vont créer eux-mêmes le contenu. Je vais me faire prophète, hein. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Vous aurez pas le public d'Eve Online. Parce qu'il est sur Eve Online, en fait. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Vous allez vous retrouver avec des gens qui vont être déçus par l'annonce. L'annonce, c'est quoi ? L'annonce, alors, je vous la lis parce qu'elle vaut le détour, parce qu'elle est très intéressante à analyser à contrario. Voilà. Devenez le forgeron le plus renommé du monde, l'assassin le plus craint. Ouais, mais le forgeron le plus renommé du monde, il n'y en a qu'un. Tous les autres, c'est des forgerons de seconde zone. Donc, nous les joueurs, va y avoir quoi ? Va y avoir 4 pimpouzes qui vont être les plus je sais pas quoi du monde pendant un an. Puisqu'après il meurt. Et puis nous derrière on va être un forgeron lambda. C'est-à-dire qu'on va forger des fers à chevaux en boucle. Parce que c'est ce qu'il faut pour notre guilde, pour faire du pognon, pour que quelqu'un qui est au-dessus de nous fasse éventuellement un peu de géostratégie virtuelle. Mais pas nous. Nous on va être un maillon de la chaîne, quoi. Et jouer un maillon de la chaîne, à part sur Eve Online, c'est pas très très fun. C'est. Voilà, c'est en fait c'est payer. Payer 120-130 euros, je suppose que ça va être le prix. Franchement, entre nous, si la réincarnation elle est à 50 euros, si je peux jouer pour 10 mois, 12 mois, à 50 euros, c'est rentable, ça vaut le coup. Mais on en reparlera, hein. Moi je pense pas que ça sera ce prix-là. Mais globalement, c'est venez jouer un pimpouze. Venez jouer un pimpouze. Un pimpouze, vous voulez être un mendiant, ouais, vous allez être un mendiant, mais ça va pas être un mendiant comme dans Oblivion, hein, qui rencontre le roi dans la prison, qui fait échapper le roi, et en fait, il a un super destin. Vous allez être un mendiant, vous allez devoir mendier. Voilà, vous allez vous connecter pour mendier, pour essayer de trouver du taf. Et le mec va vous dire, va livrer mes fers à cheval là-bas, et je te donne 2 pièces d'or. Voilà, vous livrez les fers à cheval et gagnez 2 pièces d'or. Ouais, youhou. Voilà. Le seul truc qui peut sauver ce jeu, c'est quelque chose qui a disparu depuis très longtemps des MMO. C'est le roleplay. D'ailleurs, on dit plus MMORPG, on dit MMO. C'est une contraction, ok, mais elle est super vraie. Et c'est plus des role-playing games. Vous ne jouez plus des guerriers ou des sorciers avec une vie de sorcier, ou une vie de guerrier, et des amis guerriers. Vous incarnez plus personne, votre perso il a un nom, parfois le nom d'ailleurs il est tellement débile que ça ne veut rien dire, et la vie de votre perso, la psychologie de votre perso, mais vous en avez rien à battre, et le jeu n'en a rien à battre et vous met pas à disposition quoi que ce soit pour jouer avec. Le roleplay aurait sauvé ce jeu. Mais pour qu'il y ait roleplay, il faut mettre en place des animations, des animateurs. Alors, le GM, à la base, c'est pas un mec qui répond à vos plaintes parce que vous êtes bloqué entre un rocher et un palmier.
Le GM, normalement, c'est quelqu'un qui fait des animations. Et c'est génial, les animations avec un GM. Tout le monde adore. Mais faut payer un gars. Et payer un GM à l'année, apparemment, ça coûte cher. En plus, il faut un bon, parce que si vous prenez un mauvais GM, les animations, elles sont pourries, et tout le monde pense que du coup, le jeu est pourri. C'est compliqué, c'est humain. C'est de l'humain. C'est pas automatique. Ça se fait pas tout seul. C'est chiant, les humains, en fait, dans son... Enfin, pour des développeurs de jeux, pour des administrateurs de serveurs, une armée de GM qui est coordonnée, qui fait des events qui ont rapport avec le lore du jeu, hein, voire même qui font avancer le lore du jeu, qui font des réunions hebdomadaires pour savoir vers où partent les animations, voilà, que tout ça soit cohérent, qu'il y ait une histoire et un scénario qui tiennent la route, il faut dépenser du fric pour ça. Ça, c'est hors de question, ça. Donc, vous n'aurez pas une goutte de roleplay dans Chronicles of Elyria. Qui s'annonce donc comme un truc morné. On prend une bonne idée. Alors, on met pas ce qu'il faut à côté pour qu'elle tienne. On se figure que la bonne idée toute seule, elle va tout tenir. Et que les joueurs, derrière, ils se démerderont pour faire le ciment. Qui fait que tout ça dure des années. Voilà, il s'annonce comme morné. J'y jouerai si le prix de la réincarnation est à 50€ ou inférieur. Parce que ça ne me dérange pas de filer 50€. Si le jeu est joli et qu'il y a des trucs rigolos à faire dedans, honnêtement, ça ne me dérange pas. Au-delà de ce prix, c'est un jeu, je foutrai pas les pieds dessus. Numéro 2 sur la liste, Crowfall. Alors Crowfall, déjà il y a Crow dedans, un bon point pour toi, mon ami. Il y a Fall dedans, un mauvais point, donc t'es à zéro comme les autres. Crowfall, qu'est-ce qui me plaît dans Crowfall? C'est quoi l'idée qui me botte? L'idée qui me botte, c'est que le monde sur lequel vous jouez n'a qu'un temps de vie donné. Et vous voyez que finalement, ça ressemble un peu, au principe de Chronicles of Elyria, c'est-à-dire que le temps de jeu qui vous est donné... Il a une fin, donc il faut se dépêcher de faire des trucs. On peut pas trop traîner, il y a une deadline. C'est pas mal, apparemment ça a l'air d'être en vogue en ce moment, de mettre de la deadline dans les jeux. Pourquoi pas, ça crée du challenge, on est toujours plus pressé quand la fin arrive, etc. Ou on laisse tomber parce qu'on sait que la fin arrive et qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, hein. Ça c'est notre débat. Mais il y a cette notion de temps qui remet un peu les choses en perspective et que la plupart des MMO n'ont pas. Finalement, globalement, le contenu, que tu le fasses maintenant ou dans un an, ça va pas changer grand-chose. L'idée, c'est que dans Crowfall, il y a un monde qui est éternel, qui dure, qui n'est pas détruit, sur lequel les personnages vivent. Les personnages sont un peu des héros célestes, qui vivent, des héros éternels, les champions éternels, je crois même qu'ils s'appellent, qui vivent sur ce monde-là. Et de temps en temps, ils se rendent sur un monde physique pour ce qu'on appelle une campagne qui a une durée de vie. Mettons 3 mois. L'exemple que j'ai vu, c'était 3 mois. Ça veut dire que pendant 3 mois, les gens peuvent se battre sur ce monde, prendre des ressources, le faire évoluer, et au bout de 3 mois, le monde est détruit. Alors je ne sais pas bien s'il est détruit parce qu'il y a une explication en termes de background et que les mondes se détruisent, ou s'il est détruit parce que c'est la guerre qui est dessus qui fait qu'il est détruit, mais globalement, il est détruit. Et les champions éternels, là, ils se rabattent sur le monde qui, lui, n'est pas détruit, où il y a le housing. C'est là qu'ils ont leur maison et qu'ils mettent leurs trophées, enfin, le classique du MMO, quoi. Moi, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée de... Tous les X mois, on rebat les cartes et les guildes, puisqu'il y aura sûrement des guildes, les guildes vont s'affronter à nouveau pour la domination d'un territoire qui, en plus, va changer. C'est ça qui me semble intéressant. Si les cartes des mondes où se passent les campagnes sont les mêmes, c'est chiant, comme la pluie. Mais si à chaque fois les cartes changent, qu'il faut les redécouvrir, et que stratégiquement les intérêts sont pas les mêmes, ça peut être très sympa, hein. Ça peut faire vraiment un endless game. C'est-à-dire que tous les 3 mois, il faut re-réfléchir différemment, et peut-être même repenser les alliances. Ça peut être très, très sympa. C'est un MMO qui annonce la couleur. Il est payant. On achète le jeu. Il est sans abonnement. Cool. Et il n'y a pas de microtransactions. Génial. Mais on sait déjà que les jeux comme ça ne marchent pas. Donc il y a un piège. Et le seul piège qu'il peut y avoir,
c'est les extensions sont payantes. Je vois pas d'autre solution. Le mec, il fait son jeu à vendre, tu l'achètes 60 euros et tu joues à vie. On sait tous que ça marche pas, et en tout cas que ça marche pas sur le long terme. Donc forcément, ça veut dire des extensions à un certain prix et des extensions qui sont clairement rendues plus que conseillées, voire obligatoires. C'est-à-dire, si tu l'as pas, vraiment, t'es à la traîne. Hein. Par exemple, des extensions qui te permettent d'atteindre un certain niveau. Si t'as pas l'extension, ton perso il est bloqué à tel niveau, et il faut acheter l'extension pour avoir le droit de gagner X niveau. Et pas que du stuff. Parce que le stuff, alors ils peuvent le lier, hein, histoire qu'on le vende pas, globalement, mais tant que tu montes de niveau, ça va, tu vas gérer la crise, tu seras peut-être le boulet du groupe, mais normalement tu vas gérer la crise. En général, c'est... Alors, par exemple, Guild Wars 2, t'achètes le jeu, il n'y a pas d'abonnement, tu payes les extensions. Mais les extensions, si tu les as pas, t'es quand même super à la traîne. Il y a quand même une extension, il y a les montures dedans. Si t'as pas acheté l'extension, t'es le seul à continuer à te trimballer à pied. Et ils ont fait des zones que tu ne peux atteindre qu'avec les montures. Ou des zones tellement compliquées à traverser si t'as pas les montures que tu vas passer ton temps à mourir, quoi. Voilà, c'est une manière de rendre de façon détournée l'achat obligatoire. C'est clair que Crowfall va se diriger vers des extensions payantes, certainement pas à bas prix, certainement pas à 20 euros l'extension. Je pense plus à du 50 ou 60 euros l'extension, qui du coup va devoir générer un putain de contenu, parce qu'à ce prix-là, voilà. J'extrapole, hein, je me lance très loin, hein, mais je vois pas comment ça serait différent. Ça veut dire qu'il y a intérêt à ce que les campagnes, stratégiquement, elles valent sacrément le coup. Et qu'il y ait dans le jeu tout un système pour permettre aux guildes d'être super organisées. Et pas comme sur Guild Wars 2, qui porte très mal son nom, hein, parce que Guild Wars, franchement, tu peux faire la war sans faire partie d'une guilde. Hein. Les guildes de Guild Wars 2 servent à... J'allais dire à rien, on va dire à pas grand-chose. Un joueur solo peut parfaitement partir en royaume contre royaume, intégrer un raid lambda, personne le connaît, il va faire son taf, il va s'amuser, il n'a pas besoin d'être dans une guilde. Ça apporte même, moi qui suis dans une guilde fantôme, ça apporte même, voilà, je pourrais ne pas être dans une guilde fantôme, ça ne me changerait pas beaucoup, au final. Donc Crowfall, j'ai un doute sur le long terme. Je pense que, encore une fois, un bon principe, comme Chronicles of Elyria, mais la façon dont le studio va retirer des sous de ce principe, je suis pas convaincu. Et en plus, je suis pas convaincu que le principe de jeu des campagnes soit vraiment un principe qui permette derrière de générer des extensions sympas. Ben parce que quand une nouvelle campagne se lance, comment tu départages les joueurs qui ont telle extension et les joueurs qui l'ont pas? Ils ont accès ou ils n'ont pas accès? T'es obligé au moins de faire une campagne pour les joueurs qui n'ont pas acheté l'extension. Alors ça veut dire quoi? Que tu lances plusieurs campagnes. Une super évoluée pour ceux qui ont payé, et une de base pour satisfaire ceux qui ont quand même acheté le jeu. Voilà, ça me semble un peu curieux. Je suis pas... Celui-là... voilà, je le regarde du bout du doigt... Je suis pas convaincu que je vais aller faire trompette. Alors, ensuite, on a un candidat mort-né. Dites donc. Un candidat mort-né, c'est-à-dire que tout le monde en a parlé, donc je suis allé vite voir de quoi il s'agissait. Et j'ai vite vu de quoi il s'agissait. Il s'appelle Lost Ark. Lost Ark, c'est... Enfin, de loin, ça ressemble à du Diablo 3. Alors, c'est de la 3D ISO, ça devrait me plaire. C'est pas du tout un MMO, faut être honnête, hein. C'est un Diablo-like, tout simplement. Vous terrassez à vous tout seul des kilotonnes de monstres qui se ruent sur vous en pack bien gros pour vous donner l'impression que vous êtes puissant, et à grand renfort d'attaques qui font des bons gros effets spéciaux qui cachent bien l'écran, histoire que les animations soient faites un petit peu à la va-vite et que vous avez un espèce de feu d'artifice sous les yeux. C'est que des couleurs et ça évite de faire des choses très jolies et très bien animées. C'est le
pur style coréen. C'est-à-dire des animations bien pourries, bien tranchées, à 2 images/s, qui donnent l'impression que le perso est stylé. Alors, il tend son arme en avant, il la jette en l'air, et hop, on vous fait un grand éclair bleu pour signifier que quand même le coup il est bien puissant, et les monstres ils meurent en faisant oh! Voilà. Pourquoi il va pas me plaire? Ah bah parce qu'il est coréen. Il est coréen, mais pure souche. C'est-à-dire qu'il est coréen. Personnages féminins ont des gros boobs, on voit leurs foufounes, elles ont des peaux en plastique bien lisses, des oreilles ultra pointues pour les elfes et des queues de cheval qui montent très très haut, comme un ersatz de Britney Spears, grosso modo. Les armures leur couvrent absolument rien, alors que les mecs, par contre, ils sont engoncés dans des armures jusque-là avec des collerettes comme ça. Ils se battent avec des casques, avec des cornes qui font 4 mètres de haut et des épées qui en font 6. Voilà, c'est débile. C'est vraiment une esthétique qui, pour moi, exalte ce qu'il y a de plus crade dans l'humanité. C'est-à-dire que les femmes sont complètement avilies, les mecs sont ultra virilisés, et on fait à tout ça des visages d'enfants. Hey! Hey, sympa! Voilà, moi non, moi ça m'intéresse pas du tout. C'est l'animation est laide, moi je la trouve laide en tout cas. L'esthétique globale du jeu est 100% coréenne et je trouve ça absolument infâme, dégueulasse. Attends, on est très loin de The Witcher, donc voilà, ça m'intéresse pas. Donc du coup, exit le jeu qui va être quoi, une course à l'armement. Voilà, tuer des kilotonnes de mecs pour choper des super gros loot, pour en tuer des encore plus gros. Bah, j'ai déjà Path of Exile, hein. Mais je vous en parlerai un peu après. Mais voilà, Path of Exile remplit très bien son office de manière très gratuite. Je vais pas aller sur le Spark. Allez, virer. Sinon, grand candidat. Mais je sais pas jusqu'à quel point je m'emballe, et en fait, c'est pas de la merde. C'est Camelot Unchained. Camelot Unchained, donc PVP, pur PVP, RVR en fait. Pourquoi est-ce que je m'emballerais? Je m'emballerais ben parce que j'ai connu Dark Age of Camelot. J'ai traversé à la sueur de mon front Dark Age of Camelot et son royaume contre royaume mythique. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est des parties de PVP qui durent des heures. Vous baladez dans un environnement géant, c'est ce qui manque à beaucoup de jeux d'ailleurs, c'est que l'environnement est hyper clos. Dans un environnement géant où se baladent des tonnes de groupes qui font chacun leur truc dans leur coin et pas des bus comme sur Guild Wars 2, où de temps en temps vous êtes dans la merde et par chance pour vous, il y a un groupe de 5, 6, 10 personnes qui passent par là, qui vient vous aider, qui vous sauve la mise, et puis vous les suivez, et puis à un moment vous les lâchez. C'était assez magique. Ce côté royaume contre royaume contre royaume, c'est-à-dire trois factions c'est bien parce que bah, c'est pas deux, c'est hyper manichéen, c'est vous êtes dans l'une ou dans l'autre. Trois, c'est bah, potentiellement ces gars-là peuvent être des alliés ou des ennemis, ou on peut s'allier contre ce gars-là et ils peuvent se retourner contre nous. Voilà, ça permet bien plus de trucs, ça permet d'être pris en sandwich entre deux factions par exemple. Ou de prendre en sandwich en étant une des deux factions. L'univers de Dark Age of Camelot était vraiment très chouette. Les factions étaient vraiment intelligemment découpées, intéressantes. Les Nordiques, les Arthuriens et le peuple fée, on va dire. Tout ça était logique et cohérent. On comprenait pourquoi ils s'affrontaient. À voir. Alors, est-ce que je suis pas dans la pure nostalgie et est-ce que je vais pas tomber de haut? Je sais pas. On me vend un jeu à base d'abonnement mensuel. Dépend le prix de l'abonnement. Hein. Si on est dans les 10 euros, ça ne me dérange pas. Si on est dans les 16 euros, ça me dérange. Fonction du prix de l'abonnement, je m'abonnerai quelques mois pour voir. Et si c'est trop cher, ben je regarderai sur YouTube les gens qui se sont abonnés. Et je jugerai si ça vaut le coup. Que j'investisse autant d'argent, mais c'est pas sûr. Vous savez, je marche à l'économie. Moi, j'ai tellement foutu de thunes dans ces jeux pour rien. Hein, je fais un coucou à certains studios de développement que
Voilà, j'en ai marre de lancer ma thune dans tous les sens. Moi, je vais bien lancer de ma thune, mais je vais avoir un retour sur investissement, en fait. World of Warcraft était un retour sur investissement. Je regrette pas d'avoir payé ce jeu. Je regrette pas de m'être abonné. Sauf sur la fin, j'ai mis du temps à me barrer. C'est d'ailleurs grâce à ce jeu que maintenant je me barre quand j'ai envie de me barrer. Et je reste pas pour la fête ou pour... J'ai tellement dépensé de temps qu'il faut que je trouve une raison que ça soit rentable. Non, parfois c'est plus rentable et qu'il faut vous casser en limitant la casse. Se casser en limitant la casse, c'est très joliment dit. Mais voilà, c'est exactement ça l'idée. Quand vraiment vous sentez que ça tourne au vinaigre, barrez-vous, arrêtez de jeter de la thune, trouvez autre chose à faire, de plus intéressant. Standing Stone Games. Donc grosso modo, Camelot Unchained, voilà. Il y a eu une bêta. On n'est plus en alpha, on est passé en bêta. Il y a eu une bêta l'année dernière, l'été dernier. Sortie annoncée cette année. Sûrement à l'été, hein. Ils ont attendu un an entre la bêta et la sortie. C'est cohérent, on y croit. C'est pas comme certains jeux, hein, qui mettent leur mise à jour sur un serveur test et qui 2 semaines plus tard lancent la release qui est complètement buggée. Vous reconnaissez des gens, c'est fou, moi aussi, c'est incroyable. Voilà, donc ça fait partie des jeux que je regarde du coin de l'œil en me disant bon son de bonsoir. Est-ce que je vais pas me faire avoir? Voilà, ça c'est un jeu, je vais attendre de le voir jouer par d'autres. Très clairement, je ne me lancerai pas dedans en mode aveugle. Alors que par exemple, Chronicles of Elyria, si le jeu est pas cher, je pourrais me lancer dedans en mode aveugle. Je pourrais prendre le risque sur Chronicles, je le prendrai pas sur Camelot Unchained. Je me méfie. Je me méfie parce que je sais l'engouement créé par le fait que ça vient de Dark Age of Camelot. Et DAOC était vraiment chouette. Il a mal vieilli, hein. J'ai rejoué il n'y a pas longtemps. L'interface, quand vous la voyez, vous toussez quand même un peu, l'air de rien. Donc voilà, je me méfie de moi-même en fait. Je ne me méfie pas tellement du jeu, je me méfie de mon propre engouement. Il y en a un qui a été balayé de la liste, je vous en avais parlé il y a quelques mois. C'est Gloria Victis. Gloria Victis me plaisait bien parce que visuellement je le trouvais très crédible, très réaliste. Malheureusement, il fait partie de ces jeux qualifiés demandant du skill. C'est bien dit comme ça, t'as du skill ou t'as pas du skill, tu vois. Tu fais partie des gens qui jouent ou des gens qui jouent pas. Alors, c'est pas que j'ai pas de skill, c'est que j'en ai pas tant que ça. Hein, et jouer à un jeu qui demande d'avoir un skill, petits oignons, c'est pas pour moi. Moi, il faut que le jeu m'aide un peu, sinon ça marche pas. Meilleur exemple, la série des Dark Souls, c'est pas pour moi. Tous les jeux où il faut vraiment que que le personnage adverse il soit dans les 20 degrés devant toi pour que tu les tapes, c'est pas pour moi parce que je ne sais pas contrer le joueur adverse qui passe son temps à faire gauche-droite, 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 gauche-droite et sauter en l'air. Et je déteste cordialement les jeux où la solution pour t'en sortir, c'est d'appuyer en boucle sur la barre espace tout en tapant. Parce que du coup, ta hitbox, elle sort de devant le gars. Je trouve ça tellement illogique. J'aime bien les jeux où visuellement, tu as quelque chose de crédible. Où les combats sont beaux à voir et pas des mecs qui sautent. Ou des mecs qui font pas à gauche, pas à droite, pas à gauche, pas à droite, pas à gauche, pas à droite. Ok, peut-être qu'au final, ça marche. Mais c'est plaisant à jouer. C'est vraiment fun à jouer de faire ça. Enfin, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est pas fun à voir. Je vous assure que moi, dès que dans un jeu, je vois que les combats ne sont possibles que parce que les mecs ils bondissent dans tous les sens. Salut Fortnite. J'ai l'impression qu'on s'adresse à une partie de mon cerveau reptilienne que je n'aime pas tant que ça. Donc du coup, ces jeux-là pour gogol ne m'intéressent pas. Oui, Fortnite est un jeu pour gogol. Je sais pas si vous y jouez, mais dans ce cas, vous êtes un gros gogol. Mais moi, j'y jouerai pas. Et du coup, j'aime pas trop ce genre de jeu-là. Gloria Victis s'annonce clairement comme ce genre de jeu. Et en plus, les quelques vidéos que j'ai vues me montrent des animations des personnages 3D Je cours avec mon épée, je me déplace à gauche, je tape.
Voilà, un peu pas joli, hein, un peu pas très joli. C'est-à-dire qu'en fait, il faut tellement que tu tapes à un endroit fixe qui est le gars en face, que du coup ton personnage, il est raide comme un piquet. Il a son épée à la main, il court sans aucune, sans aucune animation musculaire. Il fait pas balancer son épée, il la change pas de main. Enfin, c'est pas vivant, c'est pas beau du tout. Votre mec, c'est un Playmobil. C'est un Playmobil avec les jambes de Speedy Gonzalez ou de Taz qui court. Et quand vous tapez, il va rabattre son épée droit devant lui, même s'il y a rigoureusement personne. Et du coup, visuellement, les combats, on a l'impression de voir deux Mongols qui se ratent. Parce qu'ils ont tous bougé. Et que on bouge plus vite que ne se produit l'animation d'attaque. Donc, du coup, c'est des mecs qui passent leur temps à faire des coups dans l'eau. On a vraiment l'impression d'un film parodique où des mecs n'arrêtent pas de se rater. Et c'est pas très vendeur. Voilà, donc celui-là, vu la masse qui arrive derrière, bah celui-là, il a été un petit peu éjecté par la file d'attente. Et on termine par celui qui a l'air d'être mon chouchou. Panthéon. Panthéon, Rise of the Fallen. Alors Panthéon, qu'est-ce qui m'a le plus séduit dans ce jeu? Bah, encore une fois, hein, c'est la promesse. La promesse, c'est on va vous servir un MMO à l'ancienne. Moi, j'aime bien les MMO à l'ancienne. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend pas un MMO rapide. Pas un MMO alors rapide dans tous les sens du terme. Rapide, ça veut dire quoi? Ça veut dire t'as que 3 ou 4 compétences, donc forcément t'as une ou deux compétences qui font absolument tout, et t'en as deux ou trois qui sont là pour meubler entre les deux grosses, grosso modo. Un jeu où t'as plein de compétences, il faut faire des choix, faut les lancer dans le bon ordre, au bon moment. Un jeu où t'es pas niveau maximum en un mois et demi. Parce que le fun, c'est le endgame. Et que, eh ben non, pas de bol, le endgame, c'est l'emmerdement le plus total. Et que du coup, le fun, c'était le grinding qu'on t'a passé vitesse grand V. Parce que t'es convaincu que t'aimes pas ça, alors qu'en fait, la base du MMO, c'était ça. C'était vivre une aventure avec ton perso. Et pas juste débarquer en endgame pour te faire chier en compagnie de 4000 autres joueurs qui, comme toi, se font chier. Vous pensez à plein de jeux, ben c'est fou, parce que moi aussi. Moi, ça m'intéresse que le leveling soit lent. Ça m'intéresse, c'est-à-dire que mon perso, il va avoir le temps de découvrir et de visiter des zones. C'est sympa de découvrir et de visiter des zones. Désolé, les gars, c'est sympa. On vous a juste complètement niqué l'aventure dans la plupart des jeux qui sortent maintenant. Mais c'est ça le jeu. Normalement, quand tu arrives niveau maximum, bah, t'arrêtes le jeu. C'est le souci des studios, d'ailleurs, c'est qu'ils doivent trouver un moyen que t'arrêtes pas le jeu au niveau maximum. Mais un jeu, techniquement, ça a un début et une fin. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un tel succès dans les jeux solo. C'est pour ça que The Witcher 3 est aussi génial. Il y a une fin, et une super fin. Je me suis mis dedans, ça fait longtemps que je l'ai en boîte et je suis en train de le découvrir. Il est chouette, il n'est pas parfait, mais il est vraiment très très chouette à jouer. Les gens rêvent d'un Witcher 3 en MMO, mais jamais, surtout pas, ça marchera jamais. Tout comme un Skyrim en MMO, ça marchera jamais. Vous imaginez, le barbare, il arrive en haut du col, il surplombe la map et tout, il y a une super musique, il est sur son cheval avec sa super armure. Et autour de lui, il y a 27 mecs en train de bondir en se tapant dessus. Ben non, non. L'avenir du MMO, c'est le jeu solo. C'est terrible. Donc, Panthéon nous annonce un MMO à l'ancienne, où tout prend du temps, où les choses sont dangereuses, où il faut faire le contenu plutôt à deux ou trois que tout seul. Et c'est sympa parce que deux ou trois, on gère la crise. Hein. Tout le monde a à peu près deux ou trois amis. Sur les MMO qui peuvent les suivre, où il peut y avoir un turnover entre les amis, mais réunir deux potes, ça va, on va y arriver. Alors que réunir 5, 6 ou 8 potes, c'est déjà plus compliqué. Ça semble une bonne idée, ça semble une très bonne idée. Le studio de développement est un studio qui a fait ses preuves dans d'autres jeux. On peut les croire sur parole. Ça sera un truc avec abonnement mensuel, parce que c'est la seule façon de survivre. Oui, j'y crois aussi. Ça semble intéressant, ça semble un bon produit. Le seul truc que j'aime pas, le seul truc qui sent le pâté,
c'est que la sortie est donc annoncée en janvier 2018. Voilà. Et ça sent le jeu dont le développement sera jamais fini et ne verra jamais le jour. Et voilà, je crains fort que à un moment, alors je lance une date au pif, hein, voilà, en début 2021, le studio va dire ah bah figurez-vous qu'en fait on jette l'éponge parce que c'est beaucoup trop compliqué. Voilà. En fait, c'est juste qu'ils ont d'autres projets plus rentables à côté, quoi. On va se tourner vers Trion pour que ça soit pas un jeu sur mobile, mais on va se tourner vers un autre jeu. On reviendra Panthéon en 2047. Et là, je le sens comme ça. Et le souci dans toute cette liste que je viens de faire, c'est qu'au final, il n'y en a pas beaucoup qui sont annoncés comme hey, on arrive. Il y a beaucoup de projets. Il y a énormément de projets. Les studios ont compris, enfin ont compris, les studios croient comprendre que pour que le jeu fasse un carton, il faut le teaser des années à l'avance pour avoir une communauté hyper soudée qui débaroule dans le jeu et qui rapporte de la thune très vite. C'est pas que c'est une mauvaise idée, c'est que en termes de timing, il y a quelque chose qui foire, c'est qu'ils commencent à créer leur communauté des années à l'avance, qu'elle se crée, qu'à un moment elle est forte et que le jeu n'est pas prêt. Et que du coup, la communauté est forte, elle dure un certain temps, elle attend le jeu, elle voit rien venir, et le soufflet retombe. Et quand le jeu sort, la communauté, elle s'est déjà barrée ailleurs. J'ai pas encore vu de jeu qui a cette maîtrise du timing, ce sens de on est bientôt prêt, c'est le moment de commencer à rassembler des gens. Ils essayent de rassembler des gens alors que le jeu c'est un projet qu'ils n'ont pas encore le financement. Il faudra me contredire, hein, mais pour l'instant, ça marche pas. Ça marche clairement pas. Et je pense que Panthéon va se ramasser un bon gros mur, parce que la communauté qui les attend, elle va faire autre chose de sa vie, quoi. Voire même, à un moment, elle risque de changer de tranche d'âge. c'est triste pour eux, ils vont devenir vieux, ils vont devenir trop vieux pour les jeux, quoi. Je crains que ce jeu, malheureusement, ne voit jamais le jour. Et c'est dommage, parce que celui-là, je me sentais prêt à m'y investir. Voilà, c'est moi, on me parle de trucs à l'ancienne. Oh oui, parce que putain, c'est ce qui manque. C'est ce qui manque. C'est le monde du MMO est trop envahi de bouses infâmes ou de jeux qui ont connu leur heure de gloire. Et qu'on réhabille, on récupère les plats réchauffés, on vous les met dans un nouvel emballage, dans un joli tupperware qu'on peint en jaune, on vous dit, maintenant il est free to play, viens jouer. Et regarde, il y a une boutique, elle est belle la boutique, hein. Viens t'acheter des ailes qui font que ton personnage il est super classe. Voilà, mais on développe rien derrière bien sûr, et on sauve surtout pas le jeu. Et là, vous pouvez mettre derrière à peu près tous les jeux qui existent en ce moment, grosso modo. Et je terminerai sur Path of Exile. Path of Exile, il me laisse le cul entre deux chaises. J'avais commencé à y jouer il y a très longtemps. Et il m'avait un peu déçu. Je le trouvais fade. Il y avait un truc qui allait pas, clairement. J'avais lâché l'affaire et des amis m'ont ramené dessus. Et il est beau. Il est beau, il est bien fait. Il y a plein de trucs très sympathiques. Le endgame dure un bon moment avant qu'on soit un peu saoulé, parce qu'il finit par être répétitif, hein, comme tous les contenus endgame. Ce jeu, pour moi, il n'a qu'un seul bémol. Il n'a aucun équilibre risque-récompense. Mais quand je dis aucun, c'est qu'il est, au fond de la bouteille de l'équilibre risque-récompense. C'est même l'inverse. Prendre des risques ne vous récompense pas vraiment. Vous coûte bien plus cher. Ce jeu est intéressant et suffisamment complexe pendant très longtemps, jusqu'à ce que vous arriviez en face des, on va dire, des boss de fin. Des boss de fin de chaque extension ou des boss de fin de base du jeu.
Et dans ces boss de fin, vous allez avoir deux catégories, on va dire. On va dire qu'il y a les boss mineurs, qui sont soit limite infaisables, soit complètement faciles. Et vous avez les boss majeurs. Et alors les boss majeurs, on a l'impression de se retrouver dans un shoot'em up des années 80. Vous savez, où il y a plein de missiles qui emplissent l'écran et des boules d'énergie. Il faut que votre petit vaisseau spatial, il arrive à slalomer à la vitesse de l'éclair entre toutes les boules pour pas se faire toucher. Bah c'est ça. C'est-à-dire que le boss de fin, les boss majeurs, vous balancent sur la tête des dizaines d'attaques qui font des grosses zones dans lesquelles il ne faut pas être. Hein, parce qu'elles font toutes très 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 mal. Mais quand je dis très mal, c'est qu'elles sont à la limite du one shot, quoi. Et ils vont vous balancer ça à la gueule pendant un quart d'heure. 10 minutes, un quart d'heure, vous allez devoir slalomer dans une salle qui est grande comme une chips. Et faut pas vous faire toucher deux fois. Ou alors faut une capacité de régénération de fou. Parce que en une fois, vous êtes hyper mal. Le dernier exemple en date que j'ai eu, qui m'a un peu calmé sur le jeu, hein, je ne suis pas retourné depuis tellement ça m'a... Voilà. Est récemment sorti, a récemment été intégré au jeu de base, le contenu d'une extension. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. Hein. Les extensions de ce jeu sont gratuites. Toutes. Et à la fin de l'extension, qui se passe sur un serveur test, on va dire, c'est un peu ça l'idée, une partie de l'extension est intégrée au jeu de base, toujours gratuitement. Donc, ne faisant pas les extensions, moi je joue dans le jeu de base, et donc je viens de récupérer le contenu issu de l'extension d'avant, qui s'appelle Betrayal. Qui est sympa, qui est très sympa à faire. On enquête sur une sorte de gang qu'on rencontre de manière aléatoire quand on se balade, et on progresse en affrontant les membres de ce gang qu'on découvre, qui monte en grade et qui donne des informations sur le repère où se trouve le chef du cartel, en gros le chef du syndicat, pour employer le bon terme. Et j'ai fini par découvrir le repère du chef du syndicat, donc je vais affronter le chef du syndicat. Qui est une sorcière qu'on affronte dans un espèce de cimetière qui est relativement grand. Pour une fois ça va, on peut se déplacer, mais entre nous, heureusement que c'est grand, parce qu'en fait, quand vous voyez ce que la sorcière vous lance dessus, voilà, déjà vous imaginez le cimetière divisé en 4 carrés, hein, donc il est divisé comme ça, quoi, avec donc un chemin en croix qui divise les 4 parcelles, avec une statue au milieu du chemin en croix. La statue lance une vague de flammes dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire qu'elle lance la vague sur le chemin du haut, sur le chemin du côté, sur le chemin du bas, droite, haut, côté, bas, droite. Voilà, donc on ne peut pas trop rester sur les chemins, ou alors il faut bien choisir le chemin parce que vous avez la vague de flammes. Je résume, hein, mais elle va un peu vous tuer si elle vous touche. Donc il faut passer son temps un peu à tourner autour de la statue. Ou alors à vous balader sur les 4 quarts du cimetière. Sauf que les 4 quarts du cimetière, ils s'enflamment. Enfin, il y en a un qui s'enflamme, je ne sais pas trop ni pourquoi ni comment. Donc, il y a un quart, on ne peut pas trop y mettre les pieds. C'est pas grave, il reste les 3 autres quarts. Le boss, la sorcière, elle vous lance dessus une volée de crânes. Donc, ils volent dans les airs et qui ratterrissent au sol. Bon, il ne faut pas se faire toucher par 2 crânes, hein, parce que sinon vous allez mourir. Voire un crâne si jamais vous avez peu de points de vie. Donc il faut courir pour éviter les crânes, parce que les crânes, elles vous les balancent un peu en boucle, en fait. Donc déjà, faut courir. Elles se téléportent, mais quand je dis elles se téléportent, c'est elles se téléportent toutes les 4-5 secondes. Elles changent de place. Donc pour la choper, voilà, il faut... Mais de toute façon, le but, c'est pas la choper, vous êtes déjà en train de courir pour éviter les crânes. Elle fait des explosions en forme de gros crânes géants à certains endroits, où faut pas être dedans, hein. Et l'explosion, elle lance 4 crochets, comme ça, qui partent dans les 4 directions. Et évidemment, il ne faut pas être dans les 4 crochets. Et elle fait apparaître des sortes de squelettes qui sortent du sol, qu'on ne peut pas tuer. Hein, ce ne sont pas des créatures, elles n'ont pas de point de vie. Et c'est des squelettes qui rampent vers vous. Donc où que vous vous dirigez, les squelettes, ils rampent lentement vers vous. Et s'ils vous touchent, ils explosent. Et figurez-vous qu'un squelette qui explose, bah, si vous n'avez pas beaucoup de points de vie, ça peut vous tuer. Si vous en avez beaucoup, il ne faut pas que 2 squelettes vous explosent à la gueule. Donc il faut éviter les squelettes qui rampent vers vous, il faut éviter les crânes qui tombent du plafond, il faut éviter les bombes
qui... Alors, la bombe prend à peu près un quart de la map. Donc, faut juste pas être dedans. Et vous jouez dans tout ça. Et la Miss, celle qui se téléporte, là, elle a quatre acolytes qui, au début du combat, sont immobiles. Et quand vous la mettez suffisamment mal, quand elle arrive à un quart de sa vie, elle réveille un acolyte qu'il faut tuer, qui, lui, vous fonce dessus. Faut le tuer. Et quand vous le tuez, elle revient full vie. Ok. Autant vous dire qu'elle a beaucoup de points de vie, hein, si vous aviez un doute. Et donc, faut recommencer. Vous la remettez au quart, elle réveille le deuxième. Elle revient full vie. Vous recommencez, vous la mettez au quart, elle réveille le troisième, elle revient full vie. Le quatrième, elle revient full vie. Jusque-là, bon. Le truc rigolo, c'est que la sorcière, elle a un bouclier. Alors, dans le jeu, si vous ne connaissez pas, un bouclier d'énergie, c'est une sorte de carapace protectrice qui se régénère quand elle n'a pas pris de dégâts. Et c'est 2 secondes pour se régénérer. Ça veut dire que si vous ne la tapez pas toutes les 2 secondes, elle commence à avoir son bouclier d'énergie qui remonte par-dessus sa vie. Et donc, il va falloir redescendre. Et c'est pas un bouclier, tu tapes une fois, il disparaît, hein. Le bouclier, il a des points d'énergie, donc il faut attaquer le bouclier pour pouvoir attaquer sa vie derrière. Ça veut dire qu'il ne faut pas la laisser dans un coin, tranquille, plus de 2 secondes. Sachant que vous courez poursuivi par les squelettes, les crânes, les bombes, les zones qui s'enflamment et les tirs de feu sur les 4 chemins du cimetière. Moi, par chance, je joue un personnage qui a beaucoup de points de vie, énormément, qui les régénère beaucoup, et qui fait des dégâts de chaos. Et dans le jeu, les dégâts de chaos sont les seuls dégâts qui ignorent les boucliers d'énergie. Donc, ils attaquent directement la vie, qu'il y ait un bouclier ou pas. Donc en plus, j'ai pas le souci, moi avec mon personnage, de défoncer son bouclier. J'ai pas réussi à la tuer, parce que vous avez que 6 essais. Enfin, je fais ça, mais ça c'est 5, voilà. Vous avez 6 essais, et au bout de 6 essais, vous ne pouvez plus retourner dans l'antre où elle se trouve. Donc ça veut dire que je suis mort 6 fois. J'en suis arrivé où? Je suis mort, et au moment où je suis mort, elle a réveillé son 3e gars. Donc ça veut dire que j'aurais dû triompher du 3e gars, elle revenait full vie, je remettais sa vie à un quart, elle réveillait le 4e gars que je tue, elle revient full vie, et là je l'amène au bout. Je suis mort 6 fois. Dans ce jeu, quand on meurt, on perd 10% de son XP. Mais pas de son XP qu'on a fait, hein, de son XP, de la barre d'XP totale. Ça veut dire que si ma barre d'XP était à 70%, donc presque faite, je serais revenu à 10% d'XP. Et l'XP est inversement proportionnel au niveau que vous avez. Ça veut dire qu'au niveau et mon personnage, en une journée, un peu acharné, je vais peut-être faire 7%, 8%. Donc là, j'ai perdu une semaine et demie d'XP acharné, on va dire. Je suis revenu à 0. Voilà. Dans ce jeu, quand on affronte un mob balèze, faut pas avoir d'XP à perdre. Parce que voilà. Et donc j'étais un peu énervé parce que le combat est clairement infaisable et j'ai plus de 10 000 points de vie, ce qui est assez beaucoup dans ce jeu. Et j'ai une forte régénération, enfin voilà, j'ai tout pour survivre, j'ai les dégâts qu'il faut pour que ce boss soit facile. Et quand je suis mort, c'est quoi? Ben, c'est à un moment, il y a 2 crânes, ils m'ont touché. Ils ont dû faire chacun 5200 points de dégâts, et pouf pouf, mort. Voilà, c'est notre sale idée en fait. Et tout le contenu endgame de ce jeu est comme ça. Tout. C'est des boss qui sont sur des plateformes toutes petites, qui vous envoient des rayons... qui font la moitié de l'écran, il faut juste pas être dedans. Mais il faut pas être dedans, sauf qu'ils vont vous envoyer le rayon toutes les 2 secondes. C'est frustrant, c'est hyper frustrant. Et le pire dans l'histoire, quand je vous parlais de risque et récompense, c'est que si j'avais tué la meuf, j'aurais obtenu quoi? Peut-être, si j'ai du bol, 2 objets potentiellement intéressants. Et je dis bien potentiellement intéressant. Ce jeu est full RNG. Ce jeu, c'est de l'aléatoire pur. Ça veut dire que je peux triompher du boss et avoir 2 objets de merde.
ou deux objets pas dégueux, mais pas pour mon personnage du tout. Qui me correspondent pas du tout. Je peux avoir des objets qui ont tout un tas de pouvoirs sympathiques et de pouvoirs complètement de merde qui niquent l'objet à 100%. Et du coup, l'objet sert plus à rien. Imaginez un objet, il y a des pouvoirs super sympas et il vous donne de la vie. C'est cool. Et il vous en donne 3 ou 5 au lieu de 100. Et donc, du coup, ben, vous pouvez pas vous rajouter dessus de la vie parce qu'il y a déjà le fait que l'objet vous donne de la vie. Donc, l'artisanat permet pas de mettre deux fois le même pouvoir. Il a déjà ce pouvoir-là. Ah, vous êtes niqué. L'objet sert plus à rien. En fait, il est rentré dans la catégorie objet pourri, en gros, quoi. Donc vous avez risqué votre vie auprès de ce boss qui vous a demandé un temps fou pour que vous le tombiez pour gagner 2 objets de merde. Hey ! Voilà, ce jeu, c'est que ça. C'est que ça, que ça, que ça. Du coup, bah, on n'a pas envie d'affronter les boss de fin. Ça sert à rien. Ouais, mais c'est ça le contenu endgame. Voilà. Donc ce jeu, pour l'instant, est au placard. J'y rejouerai quand ça me reprendra. Honnêtement, c'est pas prêt. Hein. On va être très honnête. J'étais un peu échaudé. J'y retournerai sûrement avec des potes et plus tard. Pour l'instant, continuer à enquêter sur le syndicat pour finalement tomber sur la sorcière qui balance 4 kilotonnes de crâne à la seconde. Il faut courir en boucle pendant un quart d'heure pour crever et perdre 60% de son XP. Je suis pas hyper convaincu. Et vous voyez, mes cadavres, que l'horizon s'éclaircit pas. Hein. L'avenir du MMO, il est pas très glorieux. L'avenir est au jeu mobile. Et l'avenir est au jeu un peu sandbox, très simplissime, pour trouver un public qui a entre 10 et 14 ans. En gros. Donc pas moi. Donc je prie pour que Panthéon arrive à terme. Ça serait vraiment chouette. J'aimerais vraiment beaucoup. Parce que pour l'instant, le seul jeu sur lequel je m'amuse, souvent, beaucoup, et qui est différent à chaque fois, et c'est même assez curieux qu'il le soit, c'est League of Legends. J'aimerais bien que ça soit pas le cas, mais c'est le cas, c'est League of Legends. Parce qu'il y a des champions différents, parce qu'il y a des comps qui sont vraiment différentes, que du coup la configuration de chaque partie est complètement différente, alors que pourtant la carte ne change pas. Ils ont entre les mains une recette qui génère des parties différentes. J'y peux rien. Il n'y a pas de grind. C'est pas un MMO. C'est un MOBA. C'est un MOBA qui dure. Et où je trouve mon fun. Alors, pas tout mon fun, hein. Clairement, un vrai MMO me manque. Mais à chaque fois que j'arrive devant l'ordinateur, que je l'allume et que je regarde la liste de jeux que j'ai, les deux seuls qui brillent devant mes yeux, c'est The Witcher 3 et League of Legends. Bah, qu'est-ce que vous voulez, j'y peux rien, moi, c'est pas ma faute. Hein. Alors, et franchement, si vous avez des conseils, si vous avez des bonnes adresses qui s'appellent pas Black Desert Online, y a pas de souci, hein. Je prends. Hein. Je suis plus que demandeur d'un endroit où tomber... qui soit MMO, qui soit intéressant, qui soit pas ultra coréen, hyper sexualisé et un peu crade finalement. Je suis désolé, moi, vous regardez Lost Ark, vous regardez Black Desert Online, il y a un côté un peu crade, hein. Il y a un côté un peu pute. Je suis désolé, mais quand vous regardez les nanas, quand vous regardez les costumes des nanas, hein, voilà. Allez, les cadavres, pas plus pour moi, ben rendez-vous pas forcément in-game, vu qu'en ce moment c'est que League of Legends et que je ne vous croise pas dessus pour l'instant. Et puis c'est votre faute, hein, parce que moi je suis plutôt partant. Bon jeu à vous, que vous jouiez, amusez-vous, c'est quand même le principal. Ciao.